Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo vraiment époustouflante parce qu'elle va avoir beaucoup de morceaux. Cette vidéo, je veux vraiment en faire des parties l'un avec les autres parce que c'est une chose extrêmement sérieuse. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est une série de Netflix qui s'appelle Darknet. Donc si vous ne le connaissez pas, allez regarder, jetez un coup d'œil. Franchement, c'est époustouflant de regarder toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 1 et ensuite, on va parler aussi d'autres trucs fur et à mesure dans les autres vidéos parce que ça va être extrêmement long de parler de tous les sujets, ce qui se passe dans Darknet parce que c'est vraiment énorme. Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Parler de cet épisode numéro 1 de cette série Darknet qui m'a fait vraiment... moi j'étais tout le temps comme ça, mais non. Donc vraiment c'était époustouflant et ça existe vraiment, hein, c'est ça le pire. Le pire c'est que ça existe vraiment, c'est pas que tu te dis, bah bon, c'est une série sur Netflix, c'est certainement inventé, etc. Non, en fait c'est pas exactement une série, c'est plus un documentaire. Mais c'est époustouflant tous ces trucs-là, ce qu'il y a, franchement, waouh. Et donc ici, on parle d'une femme avec un homme qui se sont rencontrés grâce à Internet. Mais ce n'est pas seulement une rencontre tout à fait facile ou tout à fait normale comme nous d'aujourd'hui, de nos jours, ici, on va dire en Europe, entre personnes normales, se rencontrent sur Internet ou commencent à se parler, etc. etc. Non, en fait, ces deux-là ont fait en sorte que c'est plus glauque que vous le pensez. I love you. I love you, Drew. Sweet dreams. C'est que eux, en fait, ou ce qu'il y a en fait en Amérique comme comme genre de rencontre sur Internet, c'est que eux, en fait, ils ont fait un contrat. Donc la femme, c'est une qui domine. Je vais vous expliquer ça. Alors, ça fonctionne comme ça. C'est tout simplement la femme ou l'homme domine par rapport à ce que l'autre fait. Donc, c'est une sorte d'amoureuse. Et ils font un genre de contrat pendant un an. C'est un contrat d'un an que le mec doit signer sur Internet, tout digital, etc., etc. Il doit confirmer, etc., etc. Ici et là, c'est vraiment très, très glauque. Un jour où il était à Fayetteville, il m'a proposé de sortir. Comme je l'avais rencontré lors d'une fête, je me suis dit, pourquoi pas, on va bien s'amuser. Et en fait, le mec doit tout simplement lui donner accès à tout ce qu'il fait dans la vie, justement grâce à Internet. Donc avec ses informations qu'il mettra sur Internet. En gros, s'il va courir, il doit lui montrer où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Il doit lui faire des photos de ce qu'il mange. Je lui envoie des textos toutes les heures pendant la journée. Il m'avertit lorsqu'il sort de chez lui, quand il arrive au travail. Vraiment le contrôle total d'une personne. Et donc ces deux personnes-là se sont rencontrées justement pour faire cela. Donc c'est une femme qui habite vraiment des kilomètres plus loin que cet homme-là, mais en fait, eux, ils sont ensemble. C'est une relation amoureuse qu'ils font, mais justement sous contrat. C'est comme 50 Shades of Grey. Seulement que là, 50 Shades of Grey, ils se voient, ils se baisent, etc. Donc là, pas du tout. C'est tout par Internet. Dans le contrat, il consiste qu'elle a en fait le contrôle total de cet homme. Hein, donc elle interdit d'avoir des érections sans son permis. Donc c'est déjà ça. Wow! Où est-ce que ça va, tu vois? Donc, elle interdit des érections. Et comment elle interdit ça? En fait, elle lui oblige de se mettre une cage. Oui, vous avez bien entendu. Il se met une cage entre la bite. C'est pour qu'il ne reçoive pas d'érection sans, justement, sans son accord. La relation non traditionnelle de Drew et Christy repose sur la soumission, la domination et le sadomasochisme. En anglais, BDSM. En personne, je peux le contraindre physiquement. Je peux le flageller à l'aide d'un fouet. Je peux lui attacher les mains derrière le dos.
En ligne, on plonge dans le royaume de l'esprit. Je dois le dominer sur les plans émotionnels et mental. Et elle, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut. En fait, elle peut avoir une relation sexuelle normale, physique, avec quelqu'un d'autre. Et le mec, il doit être d'accord. Il a pas de choix. Il doit être d'accord, il a pas de choix. Il peut pas dire non, moi je veux pas, etc. Non, parce que c'est elle, en fait, qui domine. C'est elle, en fait, qui met en règle les choses. Et en fait, l'homme, c'est comme son esclave Internet. C'est comme ça qu'eux se voient. Et le mec, bien sûr, on lui a posé la question, hein, est-ce que t'aimes ça, etc. Donc le mec, il dit clair et net que c'est justement ce genre de personnes-là dominantes qui prennent le contrôle, etc., etc. C'est que lui, il aime, et c'est pour cela qu'il s'est décidé de faire ça avec cette femme-là, que maintenant, je ne me rappelle plus du nom, mais non, ça, c'est ça, on s'en fout. Mais en fait, il aime avoir ça. Christy va où elle veut, quand elle veut, et avec qui elle veut. Drew ne peut même pas avoir d'érection sans sa permission. D'où la cage de chasteté qu'il porte en ce moment même. Il la porte presque en tout temps. Elle m'écrit pour me dire qu'elle a une relation sexuelle avec un autre homme en chair et en os. Comme je suis soumis, c'est très humiliant. Et justement, c'est ce qui m'excite. Et je me suis dit, à quel point tu dois être psychologiquement atteint pour que tu aimes ce genre de truc. Mais bon, après, chacun peut faire ce qu'il veut, bien sûr. On n'est pas là pour juger les personnes. Alors, si vous regardez les pourcentages des données, ce que les applications demandent, ça fait vraiment extrêmement peur. 2% des applications veulent accéder à votre historique des navigateurs. 2%, on va dire, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup d'applications qui vous demandent des historiques de votre navigateur. Donc, on va dire 2%, encore, ça passe. Et encore, hein, 2%. 14% veulent accéder à votre téléphone, hein, des applications. Hein. 14% des applications veulent accéder à votre téléphone. Déjà, c'est quand même 14%, c'est déjà un morceau qui est pas mal. Hein. Franchement, 14%, ça fait peur, hein. Ça commence à faire peur. Mais la chose qui m'a fait plus peur, c'est celle-ci. 43% des applications veulent avoir l'accès à votre géolocalisation grâce à vos données. Donc, 43% des applications de nos jours veulent savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez. Ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est aussi grâce à ces applications-là que ces gens comme ça se mettent en contact ou peuvent avoir le contrôle par rapport à ces hommes-là ou à ces femmes-là, etc., etc. C'est grâce à ces applications-là. En fait, eux, ils les utilisent pour pouvoir faire ce genre d'esclavage sur Internet. C'est hallucinant, franchement. Et ensuite, 62% demandent un accès de nom d'utilisateur et de mot de passe. Vous savez que de nos jours, même sur YouTube, sur Google, n'importe où vous allez, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc., on vous demande nom d'utilisateur et mot de passe. 62%, je dirais que c'est même peu. Je pense que c'est de nos jours, si on réfléchit bien, c'est pratiquement 98% des applications ou même des sites, etc., etc., qui vous demandent l'accès entre nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, il n'y a vraiment rien d'autre que ça. Donc déjà, ça, c'est extrêmement énorme de combien d'informations une application ou un site peuvent vous demander et sans que vous êtes conscient. C'est un contrat. Il soumet sa vie privée à l'invasion permanente de son amoureuse et elle s'engage à ne pas abuser de son pouvoir. Si vous avez déjà lu une entente de service, ces mots vous sembleront familiers. Et déjà ça m'a fait extrêmement peur. Et quand j'ai lu ça, je me dis, putain, il y a vraiment des gens qui tombent aussi bas pour pouvoir dire que j'ai une copine, tu vois. Hein. Déjà ça, je me suis dit, waouh, ça peut pas être plus extrême que ça. Eh ben non, les gars, ça peut être plus extrême que ça, je vous jure. Vous allez dire, comment est-ce pas, ça peut être plus extrême que ça. Non, non, si, je vous jure. Ça peut être plus extrême que ça. Alors, prochaine histoire encore dans l'épisode numéro 1, et après on va en finir parce que sinon cette vidéo va durer 48 minutes. Ça se cite au Japon. Hein. Et donc, vous savez qu'au Japon, 36% des hommes célibataires japonais âgés entre 20 et 39 ans ne veulent pas de relation amoureuse. C'est que eux, au Japon, ils appellent les hommes Sosuke.
qu'est-ce que c'est? C'est les hommes qui ne goûtent pas à la chair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est tout simplement les gens vont de. Enfin, les Japonais, hein, les hommes japonais vont de moins en moins à la recherche des femmes. Ok? Donc, il y a moins en moins de productions, il y a moins en moins de relations et moins en moins, par exemple, de mariages, etc. etc. Hein, je me suis dit, arrête tes conneries! Hein. Et en fait, c'est à cause d'une application, ou même dire d'un jeu, hein. Vous l'avez bien entendu, c'est à cause d'un jeu qui s'appelle Love Plus. Vous pouvez aller le chercher, rechercher sur Google. Franchement, ça fait peur. Love Plus, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un simulateur qui simule justement une relation. Love Plus n'est pas qu'un jeu au Japon. C'est aussi un présage. L'économie stagnante du pays a révélé une tendance inquiétante. Mais qui a encore besoin d'eux? Je suis amoureux de Rinko. Je l'emmène en vacances et partout où je vais. D'ailleurs, je vis avec elle. Ma petite amie s'appelle Rinko Kobayakawa. Elle est un peu timide. Elle a des goûts de luxe et elle est très jolie. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît. Oui, les gars. C'est une application qui simule tellement... Ils sont tellement, on va dire... atteint psychologiquement, hein, excusez-moi les hommes japonais, moi que j'adore le Japon, quand j'entends ça, je me dis, mais où va le monde? Ils sont tellement psychologiquement atteints, les Japonais, les hommes japonais, qu'en fait, ils doivent simuler à cause d'un jeu sur la Nintendo DS, ça j'avais oublié de vous dire, c'est un jeu sur la Nintendo DS qui fait en sorte de simuler une relation. Et imaginez-vous, au Japon, cette application-là ou ce jeu-là sur la Nintendo DS est très populaire. Parce que vous savez que, je ne sais pas si vous le saviez, hein, mais la Nintendo DS au Japon, c'est la console la plus vendue au monde. La Nintendo DS! Et donc, le créateur, justement, ils l'ont... aussi interviewé, vous le voyez dans le premier épisode, ils l'ont interviewé, et le créateur justement de ce jeu simulateur de relations, il a dit, j'ai vu les statistiques augmenter niveau de vente de Nintendo DS, et je me suis dit, pourquoi pas faire un sort de simulateur de relations, parce que je sais qu'ici au Japon, le pourcentage des hommes, c'est tel et tel, et c'est pour ça que j'ai créé cette application. Et en fait, ce créateur justement de ce simulateur de relations est resté fixé à un seul nom. Et donc, cette femme, c'est qui est dans ce jeu, où vous pourriez justement vous faire une relation si vous êtes mal atteint psychologiquement, il s'appelle Rinko. Hein, ça s'appelle Rinko, la femme, elle s'appelle Rinko. Et imaginez-vous, les gars, ce n'est pas une blague. Franchement, regardez le documentaire Darknet, ce n'est pas une blague. Au Japon... Il y a même des hommes qui se sont mariés avec l'application. Rinko Kobayakawa est un personnage d'un simulateur de rencontre appelé Love Plus. Mais, pour nombre de clavardeurs japonais, elle est bien plus que ça. Tous ses messages viennent de ses amoureux. Il l'invite à sortir pour son anniversaire. Cet homme a même épousé Love Plus à Tokyo. Je ne suis absolument pas jaloux des autres utilisateurs de Love Plus qui fréquentent Rinko. C'est pas une blague. Ils se sont mariés avec Rinko. Oui. Ils se sont mariés avec Rinko et c'est légal hein, au Japon. J'aimerais bien, enfin, j'aime bien quand même le souligner. C'est légal. Tu peux même te pouser avec un jeu. C'est tout à fait badass quoi. C'est. Ouais, c'est épousé avec Rinko. Ouais, et donc il y a des gens en fait qui achètent justement des choses que par exemple dans l'application ou dans ce jeu, je l'appelle jeu plutôt que l'application, en fait elle dit j'aimerais bien avoir une poche, etc. Donc le mec il va acheter une poche pour son application ou son jeu. Ouais, il y a des gens par exemple, les voyages, quand ils font des voyages, etc. Eux en fait ils font des voyages avec Rinko. Donc, eux, ils utilisent le jeu DS comme une personne normale, une personne réelle. Je me suis dit, yo les gars, c'est un jeu, allô, c'est un jeu, ah coucou, c'est un... Non, en fait, le mec,
il est complètement conscient, mais il s'en bat en fait les steaks, parce que pour lui, Rinko, c'est quelqu'un de réel, entre guillemets, mais que ça lui donne justement ce plaisir d'être aimé. Donc en fait, ces gens sont tellement mal à point qu'ils n'arrivent pas à avoir des copines qu'une simulation de relation sur la déesse bah, peut le faire jouir. Un appareil. J'ai parié sur le fait qu'on puisse ressentir de l'amour, même en l'absence d'une personne à aimer, en chair et en os. Des hordes de jeunes comme eux effacent la frontière entre l'amour réel et virtuel. Seulement au Japon, n'est-ce pas? Faux. J'ai découvert Love Plus sur un forum en ligne. J'ai téléchargé le jeu dans sa version anglaise. C'est là que tout a commencé. Je me suis vraiment posé la question, et ça c'était seulement dans ma tête, je pense. Peut-être dans vos têtes, ça arrive maintenant aussi, je sais pas. Comment les mecs font-ils pour baiser? C'est une question comme ça, est-ce qu'ils mettent la bite entre la déesse? Je sais pas, franchement, je veux pas le savoir. Franchement, en fait, si un mec comme ça me dit, tu veux jouer avec ma déesse? Alors là, non, je la touche pas, alors là, je la laisse, alors, vas-y, garde-la, joue à ton truc. On sait jamais, hein, pourquoi il y a une petite tache là sur le A? C'est seulement pour dire comme ça, c'est un peu bizarre, mais ça fait peur quand même. Bref, en tous les cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il y a vraiment des gens comme ça qui font ça. Et pour vraiment aller rechercher sur Google, ça existe. C'est ça le pire, c'est pas des conneries, ça existe. Oh mon Dieu. Voilà, donc avant de terminer cette vidéo, dernier truc, encore une fois dans l'épisode numéro 1. Et ça, on va dire que c'est un truc extrêmement... À quel point ça peut aller, franchement, faites attention à vos informations sur Internet ou à qui vous envoyez des choses, des photos, etc., etc., parce que le prochain truc, franchement, ça te fait vraiment réfléchir. MyEx.com est l'un des plus grands sites de vengeance pornographique. Les profils ont été vus 415 millions de fois. 84% sont des femmes. L'âge moyen est de 27 ans. Alors, il y a une femme qui était ensemble avec son ex depuis beaucoup d'années. Et donc, bien sûr, quand on est ensemble avec sa copine ou même avec son copain, de temps en temps, ou des fois, on l'envoie par exemple des photos d'elle un peu sexy. Hein, donc, on va dire des photos nues ou je sais pas, des choses comme ça, des choses sexy, etc., etc. Alors, cette femme, justement, a quitté son ex. Parce que ça n'allait plus entre eux. Donc elle a dit, on s'est parlé, on était d'accord que ça ne marchait plus entre nous deux. Et donc j'ai décidé de rompre justement la relation parce que je ne voyais plus aucun sens dans cette relation-là. On ne s'entendait plus, ça n'a marché plus. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont certainement vécu. Enfin, j'espère. J'espère pas, mais je crois que plein d'entre vous l'ont vécu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait son ex? Alors son ex, justement, ils se sont parlé, elle a dit, il était au début, il était d'accord, donc il était complètement compréhensible, etc., etc. Après, fur et à mesure, plus le temps y passait, qu'ils étaient séparés, plus ce ex-là avait pris, on va dire, une petite vengeance sur le net en postant justement toutes ces informations justement de son ex, enfin de la femme, en postant par exemple, en mettant en ligne des photos d'elle nue. Donc elle, en fait lui, il mettait des photos d'elle nue sur des sites vraiment, on va dire, connus. Hein. Les victimes humiliées d'une vengeance pornographique commencent à se tourner vers le web invisible. Hacker for Hire y vend ses services de façon anonyme. Ces pirates peuvent supprimer n'importe quelle photo où qu'elle se trouve. Les dirigeants du site affirment que les victimes de vengeance pornographique forment une part importante de leur clientèle. Anisha n'a pas eu besoin de leur service. Grâce au mot de passe de son ex, elle a accédé à son compte.
obtenant ainsi les preuves nécessaires pour le faire arrêter et condamner. Il a écopé de 6 mois de prison pour acte délictueux grave au 3e degré et violation de la vie privée. C'est la loi du New Jersey pour la vengeance pornographique. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous vous dites, ok, il a posté des photos nues, on a entendu ça assez souvent, des choses comme ça, que les ex veulent se venger en postant des photos nues de son ex-copine pour la faire chier, pour la blesser, etc. Eh ben non, en fait, son ex, il a fait encore pire. Il a commencé à poster ses adresses, donc où elle habite, hein, son nom, ça aussi, hein, son nom, et tous ses coordonnées, donc son Facebook, son numéro de téléphone, etc., etc. Il a posté tout ça. Au début, il publiait seulement des photos de moi nue et mon prénom. Après les photos, il a publié mon nom, mon numéro de téléphone, l'école que j'ai fréquentée, puis mon adresse. Je paniquais. Je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'étais complètement perdue. Et il continuait. Et il continuait. Et il continuait. Il était lancé et ça tournait à l'obsession. Il m'a même fait une fiche sur Craigslist. J'ai commencé à recevoir des courriels, puis des messages textes. Sur Facebook, j'ai commencé à recevoir des photos d'hommes nus. J'ai trouvé des photos sur le pas de ma porte avec un mot « je vais te trouver ». Bon, pratiquement, il a posté toute sa vie sur le net. Et donc, elle a dit qu'après, fur et à mesure, dans le temps, elle recevait par exemple des messages sur Messenger, elle recevait des SMS sur son téléphone, des appels et aussi, malheureusement, des visites chez elle à la maison. Pourquoi ? Parce que l'ex, tellement intelligent et tellement con, tellement con plus qu'intelligent, en fait, il avait posté sur ces sites-là, il avait posté qu'elle, elle aimerait bien se faire défoncer, elle aimerait bien se faire violer. Déjà, comment peut-on seulement minimum penser à ce genre de choses-là et d'écrire qu'elle aime bien se faire violer ? Je comprends pas. Je n'arrive pas à piger. Donc les gens, enfin l'ex de cette femme-là a écrit sur internet qu'elle aime bien se faire violer, qu'elle adore ça, aller chez elle, en postant toutes les informations que je vous ai dit, donc numéro de téléphone, adresse, etc. Et la chose la plus dégoûtante dans ce truc-là, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont voulu faire ça. Et ça, c'est une chose encore plus dégoûtante parce que là, après, on se pose la question... Qui est le plus stupide ? Celui qui a posté justement cette connerie, sans aucun doute, oui. Mais celui qui a voulu vraiment faire ça, est-ce qu'il n'est pas con et complice avec ? Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé d'aller regarder cette série Darknet, allez regarder sur Netflix, vous la trouvez. C'est vraiment très intéressant et aussi très informatique. De savoir, putain, qu'est-ce qui se passe de mes choses que je laisse sur Internet. Ça fait extrêmement peur. Hein. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à te mettre un like dans cette vidéo, sur cette vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela ? Est-ce que vous croyez que c'est normal ou pas de nos jours d'avoir tous ces genres de trucs-là ? Donc j'aimerais bien le savoir de votre part. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau épisode par rapport à ça. Et sur ce, à très bientôt, votre Elpa, triple peace.